Salut jeune pousse, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour repiquer les tomates. Les tomates semées il y a quelques semaines sont maintenant bien développées. Elles possèdent quelques feuilles et sont assez vigoureuses pour être manipulées facilement sans risque de les abîmer. Il est temps de les repiquer. Le repiquage est une opération qui consiste à transplanter des graines semées en caissette ou en godet dans des pots individuels avant de les installer dans ton potager. Tu peux repiquer selon les plantes concernées dans des pots individuels ou dans un endroit abrité du potager que l'on appelle la pépinière. Les tomates sont trop frileuses pour rejoindre tout de suite le jardin. Je les repique donc en pots individuels. Ce rempotage renforce l'enracinement des jeunes plants. N'hésite pas à enterrer un peu la base de chaque plante lors du repiquage. Les jeunes plants pourront ainsi poursuivre leur croissance au chaud. Je les plante au potager après la mi-mai. Les gelées imprévisibles des fameux Saint de glace, Saint Mamère le 11, Saint Pancréas le 12 et Saint Cervet le 13 mai pourraient faire disparaître ou mieux bloquer leur croissance pendant quelques semaines. Pour que tes jeunes plants aient le moins de stress possible, il faut les transplanter avec un maximum de terreau autour de leurs jeunes racines. Il est aussi recommandé de bien arroser le terreau sans le détremper avant d'extraire les plants. Je décompacte un peu le terreau en pourtour avec une vieille fourchette pour faciliter l'arrachage. Remplis des pots de 6 à 8 cm de diamètre avec du terreau spécial géranium ou plante fleurie, voire un mélange de terreau ordinaire et de compost à parts égales. Ne tasse pas. Avec un bâton, fais un trou au centre pour insérer ton jeune plant. Prends garde à ce que la racine soit bien verticale et qu'elle ne se retourne pas vers le haut. Elle aurait du mal à reprendre sa croissance par la suite. Appuie avec les pouces de part et d'autre de la tige du jeune plant pour bien tasser le terreau. Si nécessaire, rajoute-en un peu si le niveau est trop bas. Arrose copieusement et place tes jeunes plants dans un endroit bien éclairé et au chaud entre 18 et 20 degrés. Dans un mois, je les mettrai sous châssis. Il faudra alors penser à l'ouvrir régulièrement les jours où il fait beau, des températures supérieures entre 15 et 18 degrés. Voilà, tu sais maintenant comment repiquer tes tomates. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de la sortie de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert, on se retrouve la semaine prochaine, ciao jeune pousse.